Alors, je suis Guy Bayel, vice-président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je suis artisan, j'ai une entreprise de maçonnerie taille de pierre. Donc là, j'arrive effectivement en fin de carrière, donc je suis bien concerné par le sujet de la retraite et de la transmission d'entreprise. J'ai la chance d'avoir deux garçons qui sont rentrés dans l'entreprise. C'est un passage très plaisant de se dire, ben voilà, on a créé quelque chose il y a 30 ans, ça ne disparaît pas. On a des jeunes passionnés qui ont envie de continuer de reprendre, et ça donne encore envie de faire plus, d'aller plus loin, pour les aider à passer ce cap du démarrage. C'est un peu un renouveau de l'entreprise, quoi. Dès qu'on crée une entreprise, il faut réfléchir soit à la transmettre, soit à la céder. Plus on attend, plus ce passage est difficile et plus le mur paraît très haut. Nous avons des conseillers très performants qui nous aident dans cette démarche qui est compliquée. C'est très important d'avoir des avis différents et de personnes qui sont compétentes, de bien être accompagnées, de manière à pouvoir passer cette transition sereinement. Voilà.